Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai plus de voix, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, voilà. Alors, on est dans la chambre d'hôtel, toujours au Novotel de ma City GV, hein, voilà. On vient de tous prendre notre douche et de s'habiller, de se préparer. Qu'est-ce que tu manges? T'es quoi? Ça va mieux? Ça va mieux ta bouche? Oui. Bon, du coup, Mila, elle a mal quand elle croque. Donc, j'espère que ses dents de devant, il n'y a pas eu un gros choc sur une des dents, on verra bien. C'était dans le vlog d'hier pour celles qui n'ont pas suivi. Ouais, du coup, j'espère que c'est rien parce que bah, elle a mal quand elle croque et ça me fait quand même peur. Après, il y a eu un. Elle est carrément tombée sur. Elle est tombée comme ça, donc forcément, elle a cogné sur ses dents, ça c'est sûr. Mais bon, sa lèvre a amorti le truc parce qu'elle s'est coupée la lèvre. Bref, voilà. J'ai pas expliqué, je pense, hier. Si j'ai expliqué, il y avait les. On était à côté d'un truc où il y avait des secours, en fait, vous savez, genre le SAMU, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Bref, ils ont tout de suite regardé, et pour eux, il y avait pas trop de. C'était pas trop grave, quoi. Donc ils ont juste mis de la glace, etc. Mais en attendant, maintenant, elle a mal quand elle mord. Donc j'espère que ça va passer. Sinon, j'irai. Je sais pas, peut-être chez un dentiste, ou j'en sais rien. Sur ce, bah là, on va finir nos valises. On va aller. Les mettre dans la voiture et ensuite on repart chez nous tranquillement. Il faut qu'on trouve un truc à manger parce qu'on s'est levé tard donc on n'a pas pu déjeuner à l'hôtel. Donc voilà, il faut qu'on trouve un petit truc à manger pour repartir parce qu'on a tous faim. Voilà. 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 T'as du chocolat plein les dents. T'as du chocolat partout. Bien, maman. Merci. Maman, elle a droit qu'au croissant. Et pas au chocolat, c'est exclusivement pour Mila. Quand même un mini golf dans l'hôtel. Un mini golf. Non, laisse-le ça, Mila. Faut tout sur la petite. Hein. Lève-toi, Mila. Elle a senti l'embrouille. S'arrêter, ça fait une bonne demi-heure qu'on roule, une demi-heure, trois quarts d'heure. On vient de s'arrêter pour prendre un truc à manger à la station service. On va bien voir ce qu'il y a. Bon, du coup, moi je me suis pris ça. Alex a pris un sandwich qu'il est en train de manger. L'habituel petit Red Bull pour moi et Alex, hein. Faut pas trop en boire de ça, c'est pas trop bon. Donc un demi chacun, ça va et ça donne un petit peu de pêche, on va dire. Voilà. Et Mila, je lui ai pris des tranches de filet de poulet. Et elle va manger un morceau de mes sandwichs pour avoir un peu de pain, etc. Voilà, c'est un petit repas très rapide d'autoroute, ça. Hein. Voilà. On est de retour à la maison. On est rentré il y a 1h, 1h30. Je suis en train de faire mon ménage pour tout vous dire. Et là, je vais laver les fraises et en donner à Mila parce qu'elle a un petit peu faim. Elle a mangé ce midi ses deux tranches et elle a mangé la moitié d'un morceau de pain. Mais là, voilà, il est 15h et du coup, voilà, elle fait son 4h quoi. Du coup, je vais faire des petites fraises là. Enfin, je vais lui couper en petits bouts et je vais continuer mon ménage. Voilà, programme du jour. Le retour de Mila et sa brouette. Fait super bon aujourd'hui, ça fait trop plaisir, un truc de dingue. Du coup, je la laisse jouer tranquillement pendant que je range encore. Bon, le repas du jour, c'est ça. Avec ça. Rien de bien compliqué, quoi. Ah, et j'ai oublié, j'ai acheté ça. Fainéantise maximum, regardez. J'ai acheté du parmesan déjà découpé, oui.
En dehors des pâtes, Mila a voulu un bib. Comme dessert. On dirait une petite râpeuse. Et elle a voulu ça aussi. Maintenant, quand il fait bon et qu'on mange dehors, après elle demande pour faire un petit dodo ici. Elle dort pas vraiment, mais bon voilà, elle aime bien se mettre dans l'herbe comme ça, tranquillement. Bon, ne faites pas attention, j'ai mis Mila avec une couche culotte. Et je lui ai laissé son body ouvert pour qu'elle puisse abaisser sa culotte. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là, voilà. Elle est trop drôle parce que je me cache, je suis cachée, elle me voit pas. Elle nettoie la chaise, elle fait exprès de la salir pour la renettoyer derrière. Elle est trop marrante. C'est elle qui a mis de l'eau, elle a pris son arrosoir, elle l'a rempli dans la piscine, elle a mis de l'eau dans la brouette. Et là, elle arrête pas de nettoyer, elle fait une crise de nettoyage. Je pense qu'elle a fini. Elle va l'essuyer. C'est elle qui a pris la lavette dans la cuisine. Donc le truc pour nettoyer, là, je sais pas comment vous appelez ça, mais elle est venue chercher dans la cuisine pour nettoyer. Elle me fait délirer. J'en peux plus d'elle. Bon, tout le monde est parti au dodo sauf moi. Et pourtant, il faudrait vraiment. Il y a un truc qui traîne ici. Ça fait partie des petits cadeaux que j'ai reçus par les mamans. Je vous ai pas tout montré, tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu d'autres choses. Je suis désolée les filles hein, si j'ai pas montré ce que vous m'aviez donné, mais il y avait tellement de trucs là, tout est dans deux cartons, il faut seulement que je range tout, vous savez, vous connaissez ma galère ici à la maison au niveau du rangement. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai reçu par les copinettes là, j'ai reçu ça, ça m'a bien fait rire d'ailleurs quand je l'ai vu dans le paquet, ça m'a fait trop rigoler. J'arrête d'être débordée et du coup je vais commencer à le lire, parce que ça doit être encore un truc... Qui vous explique comment ranger, etc. 3 semaines pour 21 jours de changement à tout niveau. Et du coup, c'est vraiment le genre de livre que j'adore. C'est un peu, encore une fois, du développement personnel, etc. Et j'adore ce genre de livre. Je trouve ça hyper instructif pour la vie, en fait. Voilà. Je suis très très fatiguée. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis je reviens demain avec un nouveau vlog. Je sais pas du tout demain ce que je vais faire. Sachant que j'ai fait pas mal de ménage aujourd'hui. J'ai encore un peu de ménage à faire. Mais voilà, j'ai fait le plus gros en bas. En haut, je me casse même plus la tête parce que, à part la chambre de la petite, je me casse même plus la tête parce que on s'est plus bougé nulle part avec les cartons, etc. Donc voilà, c'est tout, je fais avec. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Gros bisous!